Soir. Merci à vous, nombreux qui nous suivent. Nous sommes très contents et surtout, cette émission que vous aimez bien, le grand homme qui va recevoir pour vous Saint-Trizon Bongolo, un produit de Jaloux Productions, donc que nous allons recevoir pour vous ce soir. Bonsoir, Saint-Trizon Bongolo. Bonsoir. Vous allez très bien? Je vais très bien. Voilà, alors c'est parti. D'abord, qui est Saint-Trizon Bongolo? Vous êtes né où? Saint-Trizon Vous avez Bongolo, fait c'est un quelles études? artiste musicien chrétien. Et j'ai fait mes études ici à la République démocratique du Congo, précisément ici à Kinshasa. Et mes études supérieures à l'Institut national des arts. Et puis j'ai aussi entamé aussi mes études en face à Congo-Brazzaville. Donc, par là où j'ai entamé quelques branches de la parapsychologie ordinaire et j'ai aussi amélioré la parapsychologie appliquée ici à Améliorer Kishan. la parapsychologie appliquée. Oui. Ça veut dire quoi? Alors, donc, on rentre en profondeur dans l'application de la parapsychologie C'est quoi la appliquée. parapsychologie? Bon, la parapsychologie appliquée, c'est vraiment c'est l'œuvre de Dieu. Et aussi signifié dans plusieurs explications. Et la parapsychologie appliquée que je suis tenté d'exercer, c'est la. C'est comme Patrick Ngemanong quand il fait Non, ses... non, non. Avec Patrick Il Ngemanong, y c'est a, différent. non, non, il y a une différence entre la parapsychologie appliquée et la parapsychologie ordinaire. La parapsychologie ordinaire, ce sont qui sont liés dans des liés avec des objets télépathiques. Mais tandis que nous, dans la parapsychologie appliquée, nous sommes à la recherche des phénomènes psychiques non élucidés à la science. Et par des corps transfiables qui sont transformés en laboratoire pour qu'on puisse découvrir beaucoup de choses qui se passent dans l'univers visible et invisible. Ça veut dire quoi? Donnez un exemple palpable, quoi. Bon, Vous exemple, faites allusion à un Non, fou, non. Donc, quelqu'un qui a des problèmes, oui, même un quelqu'un qui a de. sorcier, la sorcellerie, La ou comment? C'est sorcellerie, même ce sont pas. des envoûtements. Que ce soit la sorcellerie, ce sont des envoûtements. Il faut connaître d'abord, nous, admettons, si quelqu'un souffre, admettons ce que vous venez de citer là, vous donnez l'exemple comme quelqu'un qui est envoûté dans la sorcellerie. On va connaître l'origine de ce qu'on appelle le sort qu'on a trouvé dans un patient. Donc, on identifie les causes, puisque les causes, ça se manifeste dans la sphère spirituelle. Donc, on abîme d'abord l'âme. Après l'âme, maintenant, la manifestation va se manifester dans le corps physique. Et nous allons identifier les causes là. Ce que la médecine, admettons, la médecine peut signifier, c'est le paludisme. Or, nous, il faut, nous dans la, puisque dans la parapsychologie appliquée, nous attendons aussi la médecine psychosomatique. Médecine, La médecine psychosomatique. donc Donc, c'est plus vous voyez les c'est, corps. oui, dans l'âme humaine, puisque l'homme est composé en trois parties. Il y a la partie physique que nous sommes là, et il y Oui. a l'esprit et l'âme. Et l'âme d'un être humain est dans le sang. Ça, c'est ce qui se trouve dans le. L'âme, c'est ce qui est concentré dans le sang. C'est quoi avec cette parapsychologie appliquée? Et là, vous avez peut-être un bureau. Vous avez quoi? Vous apprenez cela ou c'est venu comme ça? C'est inné? Ou il y a toute Bon, une science, il y a des études qui se si font j'ai pour... dit la science, c'est l'ensemble des mathématiques. Donc, notre Vous, c'est parapsychologie. toujours la mathématique. Oui. Quand on vous pose la question, où est Donc, parti l'argent de la je mathématique? vous Mais donne pourquoi la, vous faites toujours allusion à la je mathématique? vous donne la différence, puisqu'il y a une différence entre la parapsychologie appliquée et la parapsychologie ordinaire. Et ce qui est ordinaire, c'est ceux qui sont branchés dans la mathématique. Et pour faire quelque chose, pour découvrir quelque chose, ils doivent utiliser des objets télépathiques et animisme, comme des féticheurs, des magiciens, tout comme ça. Ils sont dans la parapsychologie ordinaire. Et nous sommes dans la parapsychologie appliquée, c'est de Dieu. Admettons, je vous donne, je peux revenir dans la Bible. Admettons, le combat eschatologique qui s'est passé entre Jésus-Christ et Satan, c'est la parapsychologie. La manifestation de Jésus, l'apparition des trois anciens prophètes, quand il constatait que non, il y a des signes qui montrent que non, il y a un danger qui est devant lui, quand il demanda à son père. Le Père essaie d'écarter les dangers qui est dans moi. Et par là, la présentation des trois anciens là, c'est la parapsychologie appliquée. La manifestation de Jésus vers les eaux, c'est la parapsychologie appliquée. Et Moïse, car il promenait, il avait le feu dans l'arbre, dans un arbre. Mais non, on a dit Moïse ôtait les chaussures. Ça, c'est la parapsychologie appliquée. C'est ce qui est de Dieu.
Voilà, ok, parlons de vos réalisations. Oui. Là, vous êtes un artiste. Artiste, vous avez un album sur le marché déjà avec un producteur jaloux. Jaloux Production, depuis Genève. C'est le producteur du produit, notre album intitulé Le Paradis, Mbokalola. Et là, c'est toujours la parapsychologie appliquée. Non, là, c'est... Il y a une différence. La parapsychologie appliquée, c'est autre chose. Mais la musique, c'est autre chose. C'est une différence. Comprenez. Je voulais juste savoir, parce qu'il faut bien nuancer les choses. Parce que là, c'est maintenant la partie réalisation. Vous êtes artiste. Artiste, là, vous composez des chansons pour changer, transformer l'homme par vos messages. Oui. Notre objectif dans la musique, aussi, transmet aussi les enseignements de Dieu, mais nous nous sommes basés dans la morale. Ça veut dire? Donc, nous éduquons la masse par des chansons. Dans des thèmes. Quel type de chansons? Quelle thématique? Dans des thèmes, donc, dans les thèmes, en bref, morale, puisque j'enseigne les gens pour qu'ils puissent changer et d'abandonner les mal pour qu'ils puissent aussi approcher le bon. Parlons de votre album. Et surtout, l'album est composé de 11 titres. 11 titres seulement. 11 titres, oui. Et on peut avoir les différents titres? Oui, il y a Mbokalola. Donc, le titre de l'album, c'est Mbokalola. Il y a aussi une chanson, Mbokalola. Dans Mbokalola, là, vous avez... c'est le paradis, Mbokalola. En là, français, paradis. Vous avez quel message? Mbokalola, donc, c'est comme en tant humain, moi-même, comme je suis là. Donc, la chanson-là, j'ai chanté ça pour moi. Et une fois, je m'étais intégré totalement dans la voie de l'Éternel. Et avec les tentations qui viennent de temps en temps, j'étais tombé dans des embuscades qui a fait que je puisse un peu reculer tout un peu. Et par là, moi, dans le cas où la mort me trouve aujourd'hui, où j'irai? C'est par là. J'ai dit, moi, quel yuabiso, yo tatan zambé, pesa kondima, molende nampiko, yo zali, mo quel yuabiso, zambé mo keli, awana zali, donc si je me regarde par rapport à mes comportements, je ne mérite pas être devant l'Éternel Tout-Puissant. C'est par là que je pleurerai mon Dieu pour qu'il puisse me rectifier, pour que je puisse être aujourd'hui appelé Saint Trésor de Bomolokali. Alors l'autre titre, nous avons Tatan Likolo, puisque vous voyez Tatan Likolo. Tatan puisque Likolo. Vous voyez, admettons l'étape que nous venons de traverser de COVID. Donc, l'humanité, en bref, les hommes des sciences, ils ont voulu coloniser le monde par leur objectif. Donc, ils sont savoir que, soi-disant, puisque nous, d'entamer un peu la médecine psychosomatique, on ne reconnaît pas ce que la médecine scientifique avait surnommé. Mais pourtant, ce sont des colères de Dieu. Qui est concentré dans le noyau cellulaire humain, par là où la médecine était capable de trouver des médicaments ou des vaccins. Là, on met entre parenthèses. Et par là, moi, je dis, Tatawa Likolo, Talandenge Bana Satana, comme il faut coloniser Mokilinayo. C'est par là où j'avais la composition de la chanson, Tatan Likolo. Et Tatan Likolo, juste après, Tatan Likolo? Après Tatan Likolo, nous avons Minzoto. Minzoto? Minzoto, oui. Minzoto, pourquoi? La chanson Minzoto. C'est, vous voyez, aujourd'hui le monde part de Jésus-Christ, fils de Dieu. Puisqu'il y a une différence entre Jésus-Christ, fils de Dieu, il y a aussi une différence entre Jésus-Christ, Jésus, maître Jésus. Puisqu'il y a Jésus-Christ et maître Jésus. Jésus-Christ, c'est le fils de Dieu qui a fait avec cette Vierge Marie. Et maître Jésus, ce sont les hommes qui ont branché la science. Exorciste, ils sont, Maître Jésus là, c'est Nadark, c'est l'enfant que Lucifer a fait avec Marie Valence. Vous voyez une différence, puisque vous allez constater dans d'autres églises, ils disent seulement au nom de Jésus. Le Jésus là, c'est pas Jésus Christ. c'est qui maintenant là? C'est Nadark. C'est Nadark. Ah bon? Oui. Si Jésus-Christ, il dit au nom de Jésus-Christ. Mais si vous constatez les gens, plus souvent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est pas Jésus-Christ. Alors maintenant, il faut faire quoi? Il faut quitter les pareilles églises?
Mais pourquoi Jésus lui-même l'avait dit que non? Si vous êtes à un, lui sera là. Mais quand d'autres prient Jésus-Christ de Nazareth et d'autres maître Jésus, comment Jésus peut être dans vous? Et là, vous avez chanté comment? Et par là, j'ai chanté à l'honneur de Sainte Vierge Marie. Oui. Puisque quand les autorités à cette époque-là, ils étaient au courant qu'il y a un Messie qui devait naître, mais ils étaient au courant que le Messie est déjà né. Mais pour qu'on puisse éliminer ce Messie-là, on a donné les ordres que de 0 à 2 ans, il faut éliminer tous les enfants. Puisque peut-être parmi les 0 à 2 ans, Jésus, le Messie-là peuvent être là parmi ses enfants. Et Dieu a inspiré Sainte Vierge Marie avec Joseph de quitter Israël pour fuir jusqu'en Égypte. Par là, donc j'honore Sainte Vierge Marie. Et c'est un peu? Minzoto, mingipimie, mingengi, posanzara, engali, lokola mwese, gondo kitoko bonzenga, okei wapie. Maria na Joseph bakati si bibale, kwa kokende o Egipito. Maria, Maria, mama e, mama e, mama e, Maria. Mikolo miso na kosenga na yo, na losambo na kosenga na yo, polo yo kera mawa, mwana wa yo akolela. Na koye bisa pe Yezu Masia, asengela ngai epaya, yawe mokonzi pwasilisa etumba oyo, yangai na molokio. Voilà, là c'est la chanson Minzoto. Minzoto. Oui. Et après Minzoto. Après Minzoto, il y a la chanson Libala. Libala. Oui. Lelonga na koma komona na nzela ya Nzambe. Mabala mingi kosale manandinge sa yawe. Ezali kaka mitema bato balingana. Na tango ya pasi pe na tango ya bisengo. Pe na tango ya kobokolo bana na bango. Ainsi de suite. Quel conseil? Le conseil. Puisque souvent, quand le dé s'accorde pour être les amoureux et les futurs mariés, souvent il y a des gens qui chuchotent pour que cela puisse se séparer. Non, parfois le mari ne travaille pas, c'est un étudiant, parfois le mari c'est un chômeur, mais parfois leur alliance, Dieu peut les bénir, et puis demain ils seront considérés dans la société. Libala, après Libala. Après Libala, nous avons aussi une chanson que j'ai glorifiée aussi l'honneur de Maman Marie. Puisque sans Maman Marie, on ne devait pas connaître Jésus-Christ. Si Maman Marie était comme des femmes d'aujourd'hui, des jeunes filles d'aujourd'hui, puisque Maman Marie, quand elle avait la grossesse de Jésus, on la critiquait beaucoup, la Zemezanga Tata. Et les parents, non, il faut enlever cette grossesse. Mais elle avait supporté, elle a fait pour qu'aujourd'hui nous glorifions. Donc que l'humanité puisse savoir honorer cette Vierge Marie-là. Puisque grâce à elle qu'on a aujourd'hui le Sauveur Jésus-Christ. Tu peux chanter un peu? En a cappella. À la cappella, je veux chanter cette chanson-là. Maria, Mama wa Yesu, toyambio, Mama Maria, Mama wa Yesu, Mama Maria. Otondi na gracia e ngondo mosantu. C'est à peu près ça. Ça c'est très bien. Oui. Alors juste après Maman Maria, après Maman Maria, nous avons la chanson Papa Mbote. Là c'est la chanson phare. La chanson phare de la l'album de l'album Paradis. Paradis Mboka. Oui. Mboka Lola. Lola. Oui. Papa Mbote, nous saluons. Vous saluez qui? Papa Mbote, nous saluons Dieu. Avec son nom dans les temps de la fin. Oh! Oui. Déjà? Oui. Et son nom dans les temps de la fin, c'est quoi? C'est Ebalembongé. Ebalembongé? Oui, c'est Ebalembongé. C'est un nom que Dieu avait depuis le commencement. Et il avait averti le monde par le prophète Esaïe que je viendrai avec un nom que personne ne connaisse. Et ce nom-là, on va connaître l'origine de ce nom, Ebalembongé, dans Genèse 1, verset 1. Et. Si quelqu'un il a une Bible dans lui, il va lire et puis il va découvrir l'origine de ce nom Ebalembongé. Puis qu'il y a une différence entre Ebalembongé et le prophète
papa et Balimbongé. La différence se situe à quel niveau, la différence? La différence, c'est le prophète, c'est quelqu'un que Dieu avait préparé avant que le monde soit né. Puisque tous les prophètes, ce sont les esprits saints. Tous les prophètes sont des esprits saints. Ils étaient préparés avant que le monde soit monde. Et Balimbongé, par là où dans la Bible, vous constatez que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Mm-hmm. Là, il s'adressait avec les esprits saints. Puisque l'Esprit Saint est employé en singulier. Mais il y a plusieurs catégories des Esprits Saints. Et des Esprits Saints qui viennent être pour être des prophètes, sous majorité sont que des Esprits Saints de la mission, des missions. Et il y a l'exception, d'autres, il y a que des Esprits Saints qui sont dans les catégories de commandement qui sont venus neutres. Il y a Jésus-Christ et Papa Ibalmongi. Ah, mais là, ça nécessite peut-être un débat, hein, parce qu'on n'aura pas assez de temps pour. Discuter là-dessus. Oui. Donc, pour vous, il n'y a que des esprits saints. Oui. Je crois qu'on aura un débat Dieu là-dessus. Dieu est toujours numéro un dans toutes les catégories. Toutes les catégories. Mais, dans les catégories de commandement, il n'y a que sept esprits saints. Parmi les sept, Dieu est toujours en première position. Numéro deux, c'est Jésus-Christ. Numéro trois, c'est Balimbongé. Numéro quatre, c'est qui? Le numéro quatre n'était pas. Il est le responsable de l'enfer. C'est numéro 5? L'enfer, c'est comme on dit, le ministre de la justice. Et le numéro 5? Le numéro 5, c'est son adjoint. Numéro 6? Le numéro 6 n'est pas encore né. Numéro 7, 7 non plus. Le numéro 6, il donne le don des guérisons. Le numéro 7 aussi viendra, il n'est pas encore né. Oh, mais tout ça, vous apprenez ça où, comme ça? Qui vous a dit ça? Nous appris dans. Puisque c'est par là où on connaît un prophète. C'est un prophète qui vient avec le nouveau. Qui vous avait dit ça? C'est Papa Ibalimbongé. On aura une émission pour expliciter un peu parce que là, ça crée un fou. Hein, parce que on ne peut pas comme ça gober les choses comme ça. Oui, d'accord. On parle d'abord de la musique. Alors, nous sommes obligés de vous poser la question parce que les gens qui m'auront peut-être, durant ce désir-là, d'écouter votre album Paradis Mboka Lola, ils pourront l'avoir comment? Est-ce que sur YouTube, sur une plateforme? Ils pourront facilement l'avoir. Bon, Papa Balimbongé, de son vivant, il m'avait dit que non, il ne faut pas vendre les chansons de Dieu. Et par là, bien sûr que pour œuvrer, on devait payer des studios, payer passer des émissions, des promotions, bref. Par là, on n'a pas voulu faire des CD ou bien des KSP, on a explosé tout dans le YouTube. YouTube est Balimbongé Napendu. Par là, Balimbongé Napendu. Napendu. Oui, aérobase. Balimbongé Napendu. Oui. Alors, ils auront l'album, Paradis Mboka Lola. Alors, si vous avez des remerciements, j'ai remercié comme ça. Bon, vous s'il vous plaît. Les adresser. En fait, vous avez quelques noms qui. Oui. Quelques remerciements. Affirmativement. J'ai quelques soutiens, les gens qui vous ont soutenu. J'ai remercié d'abord l'Éternel Dieu le Tout-Puissant. C'est grâce à lui qu'il a fait qu'aujourd'hui que je puisse être devant le grand chroniqueur Moro. Doudou Moutiri, c'est le réalisateur. Donc, quand je suis à Brazzaville, je me posais la question, est-ce qu'un jour je serai devant le grand chroniqueur là? Mais Dieu a fait grâce pour qu'aujourd'hui, je vous remercie de plus, et à CCTV. Pour l'accueil, Pour l'accueil surtout. Vraiment, je suis très accueilli. Et là aussi, on n'oublie pas votre producteur, Jaloux Production. Jaloux Production. Depuis Suisse, Depuis la Suisse, dans la ville de Genève. Je les salue, mon producteur. Et je salue tous les musiciens de l'orchestre La Pureté, Mboma Liévin, le chef d'orchestre, Mobimba Alpha, Marlo Loubois, Nzo Kabadies, et Vani Zora, et sans oublier Boliko Bobo, sans oublier José Yabo, et tous les musiciens de l'orchestre La Pureté, et toute personne qui aime Dieu, qui aime aussi glorifier l'Éternel. Nous vous remercions. Merci. Et pour conclure, le mot de conclusion. Le mot de conclusion. Et comme moi, je vis à Brazzaville, je suis à Brazzaville, les gens qui auront besoin peut-être de nous contacter ici à Kinshasa, qui puissent directement passer par vous. Alors, ils pourront nous appeler, vous appeler par l'entremise de ce numéro, plus 243-89-61-52-634. Et je salue tous les enfants, tous mes fans qui sont à Brazzaville, au quartier Jardin, sans oublier le sauveur du quartier, le président... Moi, je vais déjà saluer Florent Chiba, depuis Brazzaville, Florent Chiba. Okay. Et vous? Je salue le président, le fils de l'homme,
Vous allez m'excuser. Bon, le fils de l'homme, il va se retrouver, se reconnaître par ses surnoms. Okay, merci. 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 Les saints prisons Bongolo que nous avons reçus pour vous. Merci. Vous êtes grand? Vous vous sentez grand? Oui, s'il vous plaît. L'émission, c'est Grand H, grand homme. Vous êtes grand? Vous vous sentez grand? Oui, je chante grand puisque je suis dans le cours de grand. Je suis passé aussi dans l'émission, le cours de grand. Dans la ville capitale de Kinshasa. Très bien. Merci beaucoup. Et merci, messieurs, bienvenue en Simba, Nanantsel, maison de la prière, cité des ossements, Salipen. Allez-y, faites vos réservations pour vos retraites, vos prières, peut-être intenses, dans un cadre qui respecte le normes environnementales. Suisse 42, Salipen. Merci à maman Annie Ekembe, votre épouse bien adorable, et pourquoi pas, Keren et Naomi Simbana. Allez-y, maman Charlotte vous attend pour que vous puissiez faire vos réservations, maison Keren, maison de la prière, cité des ressourcements. Nous saluons tous les clients et surtout la gérante Jean-Froid, les Triomphes, l'Opori numéro 41. Grâce à vous, salutations à vous. Et je n'oublierai pas aussi Jean-Pierre Mbala Kassanda, les chouchous, les Mouamba, l'homme qui est Mouamba aime. Allez, portez-vous bien, nous vous aimons et nous allons croire que très prochainement nous aurons peut-être à recevoir notre ami. La rédiffusion demain samedi à 9h. Portez-vous bien, merci à mon Jambé, Alain Kabongo, Fiston Atunga, Banjolo, Christian, Bilondinga. Et merci Kifou. Et à la prochaine. Bidou Monti vous aime beaucoup. Bon anniversaire à Laure Kinkela. Laure Kinkela. Que l'Éternel vous bénisse. Ciao.